Bon, bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors, on vous avait fait une petite vidéo sur un arbre en direct. Et aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on fait faire n'importe quoi à un grimpeur. Alors, vous rappelez sûrement de ce beau tilleul, magnifique tilleul. Et au milieu, là-haut, il était fendu en deux. Un très, 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 très beau tilleul. Alors les coupes sur les pointes de branches étaient très bien faites, j'avais pas eu le temps de trop détailler quand on a fait le live. Mais très bonne coupe en pointe de branche. Par contre, au niveau du tronc, c'était un poil gros. Un peu. Hein? Un peu. C'était un poil gros. Un peu, ouais. Un poil. Un poil. Un poil beaucoup. J'étais monté dedans la dernière fois et vous avez vu, il était ouvert en deux. Vous vous rappelez? Oui, pour ceux qui ont vu la vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est que il a quand même mis les feuilles. Voilà. Il a quand même mis les fruits. Vous voyez? Très très beau fruit. Regardez ça. Très très beau. Très très bel arbre. Très très bel arbre. Alors, on est en fin d'après-midi, appel en urgence, machin, patati, patata. Donc, on a laissé tomber ce qu'on est en train de faire et on est venu là. Rapido, expresso. La dernière fois, on m'avait posé la question, mais... Et putain, Dom, mais comment tu vas faire? Non, c'est pas très compliqué. Ça, c'est fait tout seul. Voilà. Vous vous rappelez, il était ouvert. Là. Le morceau qui est là, il est là-haut. En fait, ça s'est déchiré. C'est venu se coucher là. Alors, ça n'a rien cassé, ça n'a rien abîmé. Les fils sont encore en place. T'as dû les chatouiller en passant. Ça a dû leur raser les moustaches, ouais. Et voilà l'intérieur du tronc. C'est pas moi, hein, j'ai rien touché. Je suis arrivé, j'ai allumé la GoPro, hein. On est d'accord, hein. J'ai absolument rien touché. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors ça, là... C'est tout léger, hein, les gars. Ah oh oui, c'est tout... C'est plein d'air. Alors ça, c'est le bas de l'arbre. Et là-haut, c'est la coupe. Voilà ce que ça donne, une coupe en grosse section. Alors ne coupez pas, ne nous faites pas couper sur les grosses sections. Un beau tilleul. On vous donnera son âge à la dernière coupe sur le pied. Voilà l'intérieur du tronc. Alors j'ai mis un peu de temps pour venir, je pensais qu'il tiendrait un peu plus longtemps. Le pauvre est en fin de vie. Voilà. Triste. Un bel arbre. Alors maintenant, quel propriétaire qui dit oh, c'est dommage. Comment on va faire pour l'ombre? Eh ben ça, mon gars, il fallait y penser avant. Il fallait y penser avant. Alors maintenant, on va l'abattre. Démonter. Ouais. Pas abattre, démonter. Oui, on va le démonter. Démontage? Ouais. Mais pas abattage. Non. Démontage pour la connerie humaine. Triste. Et là, il n'y a rien à récupérable. Oh non. Pauvre tipeur. Arrêtons de vouloir jouer avec la nature. Laissons-le. C'est pas facile à dire, hein? Non. Laissons-la tranquille, tu voulais dire. Alors après, on est d'accord, hein? Un arbre, ça vit. Ça naît, ça vit. Ça meurt, c'est malade. Comme nous. C'est un être vivant. Mais là, regardez la section de la coupe là-haut. Vous voyez là? Ah mon gros, c'était violent. Hein. On voit que ça s'est tout ouvert et puis que l'eau s'est infiltrée. Et on voit sur le morceau qui reste là-bas que le temps a fait le reste. Le temps, l'exilophage et tout ça, ça finit le travail. Alors c'est dommage, parce que vous verrez, quand on va couper les mares sont nickel. Alors comme je peux pas y monter dedans parce que je sais pas du tout ce qui va se passer, le but, c'est pas qu'il finisse de se coucher tout seul. C'est surtout que je ne voudrais pas me coucher avec.
J'aurais pas que ça finisse de péter. Parce que ici, vous avez le mât, il est plié là. Et après, il y a les deux grands mâts qui s'en vont derrière. Et on voit sur la section qui est là, que ici, c'est encore partagé. Donc ce morceau-là va là-bas, ce morceau-là va là. Et j'aurais pas que ça finisse de s'ouvrir en trois quand je suis par là. Alors, eh bien, on va finir de l'abîmer. On va prendre la perche qui est là. Et on va entailler les mares sur le bas. On va essayer de faire tourner celui-là ici. Il a un appui là. Il a un appui là-bas. Donc on va enlever toute cette partie ici. Là. Et on va lui donner l'occasion de venir basculer de ce côté. Après, on entaillera les mares en faisant le tour pour les déchirer de façon à ce qu'ils s'appuient en bas, de pouvoir commencer à les débiter avant de finir de les couper. Parce que là, il est hors de question que j'y mette mon cul là-dedans. Alors sachez que il a rien demandé. Il a pas demandé à prendre un coup de tronçonneuse comme ça. Ouais. Allez. On y va? On attaque? Moi. Et maintenant, à cheval. Oui, aussi. Ah oui. C'est un peu abattache. Hein. Abattache, ils l'ont déjà attaqué. Il y a un monsieur, il a commencé à abattache et les insectes, ils l'ont fini de l'abattacher. Nous, on va l'achever. Allez, au boulot! Mon poussin, allez, allez, ah mignon, là. Thank you.
chaud. Il n'est pas aussi fort que d'habitude, d'habitude c'est à 20. Là on est loin des 20. Baisse un peu la musique, j'entends. Mais très léger, pas un froid, tu vois. Des trucs à la con. Tu sais, mais des tas de petits crabes comme s'il craquait tout doucement et qu'il allait tout lâcher d'un coup. Allez, ma belle. Ah. Allez, ma belle. Et il est pas sur la route. Elle est pas belle la vie ? On peut arriver passer encore. Hein ? On peut encore passer. T'as vu ça ? Ouais. Eh. 36-15 qui n'en veut. Ma ! Ah, chaud hein ? Ça va transpirer hein ? Eh mais t'es chaud la bête. En plus, avec les problèmes des coudes, ça fait un peu mal à l'épaule. Hein. Je l'ai Thunder. Regarde chérie. Il est Thunder. Pas facile hein. Ça me rend triste. Et voilà avec quoi je vis. Il est fan du là, fan du là-haut, fan de là. Alors surtout les gens, ne vous détendez pas maintenant. Si vous devez faire ce genre de choses, le plus dangereux c'est maintenant. Trompette. Là maintenant si tu te rates le dernier morceau qui pourrait te fender. J'ai entendu clac et tu t'es retrouvé coincé, c'est ça? Allez ma fille. Allez ma fille! Allez ma fille, rends-moi la machine. T'as vu l'état? Et voilà. Un tilleul de moins. Je suis monté par l'autre côté, mais c'est pas possible de par là. Hein. Et voilà. Un assassinat en règle. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. Il est tout par terre. Ouais, j'ai la voix un peu grave parce que on a un petit peu les boules de on a un petit peu les boules, voilà, de tuer un arbre comme ça. Mais on a pas le choix parce qu'en fait là dessous normalement il y allait une cage de foot. En fait il y a des enfants qui jouent là, alors ils vont pouvoir continuer à jouer parce qu'on va nettoyer, mais
mais ils seront plus à l'ombre. Ah non. Ah ouais, bon voilà, allez, on va broyer, parce que là il faut finir. Mmh. Hein ouais. On nettoie le merdier. Ouais. C'est bien beau de foutre de la merde, mais après il faut nettoyer. Super. Alors on a un nettoyage. Un nettoyage. Action. Un broyage. Ouais. Un peu de débitage. Voilà, on a démarré Zozoy. Ah, démarrez pas celui-là, celui-là c'est le mien Zozoy. On a démarré Zozoy. Et on va broyer. On va tout mettre dedans et on va en faire des confettis. Des petits confettis. Ah, tout passé là. Ah, normalement ça devrait aller assez vite. Dommage, il était beau. Il était. Il était, mais il est plus. Enfin, si, il est toujours. Si, il est toujours, regarde. Ouais. Mais pas pour longtemps. Ça va pas tarder à faner. Allez! Change la pile, il n'y a plus de pile et on y va! Allez! On y va, mon petit cœur! Hein? On va travailler avant de se mouiller! Allez, pépère! Oh! Quel vent de merde! Tout dans la gueule, on reprend! C'est moi, on en a fait un bon tiers! Ouais! Oh, bah ben vous êtes tout seul! Aussi sale que toi, mon amour! Super! On nettoie la vue de Moscou, on revient! Alors, vous arrêtez pas de nous poser la question: pourquoi le broyeur? À cause de ça, 25 minutes, réel! Ah ouais? Ouais! C'est ce qu'il y avait marqué sur la GoPro, donc on est parti de là! Ah, juste au-dessus du broyeur. Et on est là-bas. Ça veut dire que... On a fait un tiers du camembert. Voilà. Et en fait, il va rester que les grosses sections. Et tout le reste, ça va passer dedans. Donc, le broyeur évite vachement de manutention. Ah ouais, déjà qu'il faut les lever pour les mettre dans le broyeur. Alors, imagine la hauteur du camion mène à côté. Voilà. Et en plus, tout ça, ça va être recyclé. Et donc, il n'y a aucune perte, en fait. Ça, ça va être le propriétaire, le garde. Ouais. Toutes les grosses. La bille aussi. Et après, tout ce qui est broyé, on l'emmène à un endroit... où les gens viennent se servir. Donc en fait, tout est recyclé. Profiter les autres. Voilà. Aussi. Voilà, on recycle tout. On essaye, dans la mesure du possible. Donc, Nounou va aller vider ça. Moi, je vais tourner Zozoy. On va le mettre là en bas. Et après, on attaque de là. Et on fait en descendant. Alors, on boit gros, oui, parce que c'est du bois blanc. Et que le bois blanc, pour le chauffage... C'est pas faramineux. Ouais. Ça chauffe, hein, mais ouais. Faut être prêt pour en remettre régulièrement. Comme dirait notre fille, c'est pas fifou. Non, c'est pas fifou. C'est pas fifou.
Bon, ça fait des flammes, mais c'est pas fifou. Ah. Quand tu crèves de froid, ça fait toujours ça de chaud. Hein, c'est bon. Ça. Quand t'es bien gelé, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait faut du bien. Pour la nuit. Ça fait du bien. Ça fait chier, ça. Hein. Je suis fatigué. Voilà. Donc, eh bien, vous voyez, après, c'est vite propre, quoi. Minutes 40. C'est qui les plus forts? Ah, c'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs. Ça donne soif, hein? Ça devient chaud. Ah oui? Éteins. Je transpire, ça y est. Voilà. Allez, on va vider le mamion et on revient. T'es tendu? Ouais, on va ensemble vider le camion. On va vider le mamion. Tout à l'heure. Tout à l'heure, déjà. Bon. Et voilà les gens, on est désolé, on a à peu près fini le boulot. À peu près, il reste à mettre par terre la bille. À mettre par terre la bille, mais on n'a pas filmé le reste. Non, en même temps, vous auriez vu... Parce que il fait, regarde le temps qu'il fait. Regarde, regarde, la cabane est sur le chien, il pleut dans la maison. Regarde, voilà, ça tombe. Alors on s'est déjà fait saucer une fois comme qui dirait, donc on va essayer d'éviter de recommencer. Tout à l'heure on a pris la même, alors on n'a plus le temps de filmer en fait. On vous a un peu zappé. Ah bah oui, je confirme. Parce que là, j'ai des chaussures qui font... C'est ça, les pieds mouillés. J'ai l'arrêt du cul qui me sert de rigole. Nono entre les deux seins, c'est la chute du Niagara. Bah, je confirme. L'arrêt du cul aussi, pareil. L'arrêt du cul aussi, toi. Oh mon dieu! Ça s'arrête ou je sors le gel douche et je me lave? Ah ouais, on va sortir le gel douche, il n'y a plus que ça à faire. Tu vois, c'est ça qu'a de bien chéri. À la fin d'un chantier comme ça, quand il fait ce temps de merde, on pense jamais en mettre le gel douche. Jamais. C'est ça, jamais. Pourtant, mon dieu, mouillé pour mouillé, froid pour froid, autant se laver. Hein. Ouais. Enfin, si je dois me laver la tub, je pense que je vais pouvoir la chercher un moment avec la température de l'eau. Parce que tout à l'heure j'ai voulu pisser, mais ça n'a pas été un exploit. Hein. Je lui ai parlé gentiment, pourtant je lui ai dit vas-y ma petite, il pleut plus, vas-y.
Alors elle a fait une apparition quand j'ai posé la main dessus, elle a fait. C'est la température de ta main ça. Encore ce n'était pas, c'était pas les miennes. Oh putain. Ça coule encore le long de ma cuisse là. Ah ça coule le long de la cuisse. Ouais. Ça veut dire que t'es toute mouillée. T'es ah. Prête quoi. Ah non, c'est tellement froid que c'est fermé à souhait là, de ah, mon ouais. Tour. Merde. Il pourrait pleuvoir de l'eau là, chaude. Là, c'est la ceinture de chasteté là. Ah ouais. Tellement c'est froid, elle est rentrée elle aussi. Hein. L'abricot il s'est refermé total. Hein. Il n'y a plus d'abricot. Ah ça y est, ça s'est calmé. Est-ce que tu crois qu'on va arriver à le finir cet arbre? Ben, j'aimerais bien qu'on rentre à la maison, alors ce serait bien que ça s'arrête, qu'on puisse finir. Ouais, ce serait pas mal ça. Il nous a fait une accalmie là. Il nous a fait... C'était la fausse joie. Il nous a fait un... Espérez, bande d'idiots, mais espérez, vous allez voir. Vas-y, tu peux y aller, sans ta tronçonneuse. T'en me l'as une autre, du con. Tout à l'heure, t'as eu le lavage, je te mets le rinçage. S'il y a quelqu'un qui passe... On peut faire Titanic, là. Hein. Ah, Titanic. Merde. Comment elle fait la dame? Et attends, on fait un morpion maintenant? Ah, on fait un morpion. on passe le temps comme on peut. On passe le temps comme on peut. On le fait à la verticale, on fait une puissance 4. Si tu tournes la tête, tu peux le faire en puissance 4. Hein. Parle pas de la tête sur le côté, c'est désagréable. Ah, s'il y a les flics qui passent, ils vont frapper au carreau. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? On joue puissance 4. Raté, raté. Et non. Il y a de la buée partout, mais non, mais non. Est-ce que tu crois que je vais arriver à y mettre un coup de tronçonneuse? J'en sais rien. Quel temps fait-il à l'extérieur, mon amour? Ça arrive gris derrière, là-bas. Ou c'est moi? Ah, oui, hein. On va le prendre dans la gueule encore, celui-là. Ça fait trois fois aujourd'hui. À la mort, hein. Ah, après ils vous disent, ouais, devenez la guerre, vous vivrez avec la nature. Bah viens vivre avec la nature, là, tu vas voir. Tu la sens bien, la nature, je te le dis, moi. Là, t'as une accalmie. Ouais, vous verrez, vous êtes dehors, vous êtes tranquille, vous voyez personne, c'est de l'eau. Ouais, bon, on en profite ou pas, là? On en profite. On baisse. Non, on le coupe. On le coupe, ah on d'accord. On rentre à la maison. Allez, on le coupe, alors. Oh, on l'a coupé, alors. Ward, Ward, de la gueule de mon 4x4. Ward, Ward. Bah ouais, on a broyé, il pleuvait. Hein. Elles sont collées les feuilles. Hein. Ah, c'est mouillu. Ward, il était tout beau. Était, oui. Bon allez. Et maintenant, entre deux rincées, qu'est-ce qu'on fait? Abattage. Abattage. On va démarrer la moto. On démarre la moto. Allez, on y va. Smile le cul, il va pleuvoir. D'habitude, c'est entre deux averses. Aujourd'hui, c'est entre deux rayons de soleil. On y va entre deux averses, non, entre deux rayons de soleil aujourd'hui. Je sens que tu perds de l'optimisme, mon amour, de l'optimisme. Je sens que t'as l'optimisme qui baisse ce soir. Il y a une chose qui va pas, mon bébé. Je suis mouillé, c'est ça. T'aimes pas être mouillé, hein? Non. Quand je suis en maillot de bain, c'est une chose, mais quand je suis habillé, non. Arrête, on rentre à la maison, elle veut pas. Raté. 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 Elle veut pas travailler. Travailler. Oh, ça fait un cul, ça. Oui. Obsédé. Regarde, mon amour, ça fait un cul. Une W de McDonald's. Aussi. Non, tu veux pas la poêle?
Je sais pas. Ouais, si tu veux. Tu vas pas finir de le couper sinon. Je sais pas. Fais comme les avions, ravitaillant plein vol. Ravitaillage. Oh, j'ai soif. T'aurais jamais coupé l'arbre. Hein. Elle avait soif la dame. Je t'avais dit que c'était une alcoolo celle-là. Elle aime le jaja. Oh chérie, on voit plus le trou? Non. Des problèmes de visage? Ouais. En même temps, c'est pas moi qui vise, moi d'habitude c'est le trou. T'as d'habitude tu fournis le trou, c'est ça? C'est ça. C'est moi qui vise. Ça se voit? T'as l'ami partout à côté. Ouais. Elle me fait le plein. Ça fait des films quand on voit pas tout, hein! Ça le faisait comme ça, non? Hein? Ça le faisait comme ça, non? Nono, la tête penchée vers l'avant et moi droit avec la main sur la hanche! C'est pour ça qu'il y a quand même. C'est pour ça qu'il y a. Oh le con! Avantage! Eh ben il est beau. Elle est où ta capote? Capote, j'ai trouvé. T'as vu le trou, il y a moins de problèmes. Eh ben voilà. Il est beau, putain. Cent trente et un avec cette année. T'en as vu des choses, hein? Ah oui. Il a fait 14, il a fait 18. Il a vu deux fois les Allemands. Et il a fallu qu'un blaireau le fasse couper au milieu. Comme quoi, c'est pas toujours ce qu'on croit qui tue. C'est ça. Hein, mon gars? Voilà ce que ça donne. Voilà pourquoi je suis pas monté dedans. T'as vu? Regarde le mar là. Tu vois, en fait le mar là qui est là, eh bien, il est complètement séparé. Tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Ah, pourquoi je suis pas monté dedans? Voilà. Tout ça pour une coupe à la con. Alors ne faites pas ça les gens. Parce que lui il avait rien demandé. Hein mon gros. Faites pas ça. Il vous a rien demandé ça. Alors là, tu vois, mon petit gars, juste pour les faire chier, tu vois. Ce que je te demande, c'est que tu vois, tu reprends de souche, là. Tu vois, tous les petits trucs que t'as mis, là, tu les relèves, et tu nous refais un putain d'arbre. Hein, mon petit gars? Voilà. Redresse-toi, sois fier, et pousse. C'est ça. Redresse le torse. Allez, courage, mon gars. Bon. Et bien voilà les gens. Ah mais il a vu deux fois les Allemands. Ah ben c'est un Français qui l'a tué. Ouais ouais. Oh le con. Bah ouais. Voilà. Bon allez, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben nous, on rentre à la maison, on change de crèmerie. On change de crèmerie, on rentre à la maison, on va se sécher. Ah ouais, parce que là, celle-là, ça mouille. Ah là ça commence à froid, à faire froid. Ça fait froid. Ça fait froid là dedans. Dans le manteau il fait très très froid là. Je suis gelé. Et puis on vous laisse. Bonne soirée à tous. Amusez-vous ouais. Bien. Mais pas trop. C'était pas maintenant. Ouais c'est pas grave. Elle est pressée. Ouais. Ah, c'est froid.
Ah, c'est froid. Soyez sages. Mais pas trop. Évitez de tuer les arbres. Clair. C'est pas bien. Non. Écoutez les élagueurs, ça évitera qu'ils fassent des conneries. Parce qu'après on dit que c'est leur faute, mais en fait c'est les clients qui demandent. C'est ça. Voilà. Allez, ciao à tous. Ciao les gens. Au revoir. À bientôt. Quand il fera sec. On espère. Putain, je suis gelé. Moi aussi. Allez, ciao. Ciao tout le monde.